Après avoir entendu le gouverneur Patrice Mathias Kabeya en conférence des présidents des groupes parlementaires, l'Assemblée provinciale veut en savoir davantage. Elle annonce un contrôle au gouvernorat. Est-ce une action pour blanchir l'autorité provinciale accusée de fraude par l'IGF? Le président du bureau, Athanase Kambongo, s'en défend. Bon, moi je ne sais pas c'est lui qui dit ça, pourquoi il le dit. Nous n'allons pas là-bas pour aller accuser le gouverneur de province. La commission n'est pas encore allée là-bas. On ne peut pas tirer de conclusion. Alors le problème qui est ici, c'est que chacun a sa conclusion avant même que l'enquête soit effective. Nous allons là-bas. C'est ce que je peux appeler l'enquête de routine. Nous sommes à la session de mars. C'est la session de contrôle pour notre assemblée. Nous y allons comme on était déjà parti. On n'a pas des intentions d'aller trouver peut-être le gouverneur ou le blanchir ou le condamner. Non, nous allons là-bas. Ce n'est qu'après l'enquête que nous allons maintenant voir ce qui se passe là. Pas seulement chez le gouverneur, mais dans d'autres aussi services, dans d'autres entreprises. On ne peut pas mettre la charrue devant les deux, commencer déjà à condamner ou préparer déjà comment on doit aller trouver un gouverneur qui a détourné l'argent. Ça, c'est ce que la population dit, mais nous ne sommes pas la population, nous sommes une assemblée provinciale et nous avons des règlements, nous avons notre façon de travailler.